Ah! Enchanté. Ok. Pardonnez-moi de vous importuner, mais j'ai une question à vous poser. Ok, bon, visiblement, il est déjà un peu plus calme que tout à l'heure. Fait flipper sa mère. Oui, c'est la maison. En joli. Ok. Vous voulez que je vous suive? D'accord. Ok, étrange. Bon, on arrive vers une partie de la mission qui est moins horrifique, mais qui a une ambiance trop trop cool. Alors là, franchement, j'adore parce que c'est un truc qui aurait été impossible de foutre dans le livre, évidemment. Ou du moins, ça n'aurait pas été aussi, aussi classe. Où est-ce que je suis? Alors oui, c'est flou. Oui, c'est flou, on n'y voit rien. C'est un peu la faute à YouTube, aussi. Mais c'est parce que c'est un tableau. Nous sommes dans un tableau. Et c'est Dans la super toile beau. monde, l'œuvre d'Iris von Evreck. Waouh. Eh ben c'est classe. On n'a pas à dire. Comment vous avez atterri ici? Nous existons dans les deux mondes. D'accord, vous êtes un peu étrange quand même. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Drôle d'endroit. Un endroit issu des rêves d'Iris von Evreck. Et des peintures surtout. De son vivant, il n'existait que dans son esprit. C'est la mort qui lui a donné corps. Oh, d'accord. C'est difficile à croire, vous me faites marcher. Tu ferais bien d'y croire et de rester sur tes gardes. La toile monde regorge de dangers. Joie. Bon, où est-elle? Bon, c'est bien joli tout ça. Mais où est Iris? Tu l'as brièvement réveillée. Si tu veux lui parler, tu vas devoir la tirer complètement de son sommeil. Ok. Oui. Mais comment? Clépisteur, non? Je t'ai vu examiner les traces dehors. On est dans un tableau, il n'y a pas de traces. Et alors? Ce monde est bâti autour de souvenirs évanescents et confus que notre maîtresse aimerait pouvoir oublier. Tu dois les trouver, les restaurer. Invoque les peurs qui tourmentent Iris et détruis-les. Oh, génial. Facile à dire. Ok, donc nous voilà dans ce monde très très étrange et très très flou. Il faut qu'on retrouve les peurs d'Iris von Evreck. Et qu'on l'en débarrasse. Ah! Visiblement... Ah, ils m'ont remis un coup d'alcool. Ok, d'accord, c'est cool. Bon, alors je sais pas comment ça va rendre sur YouTube. Parce que faut savoir que là, de mon point de vue, c'est très flou. Mais on dirait des coups de pinceau, quoi. Mais sur YouTube, j'ai peur qu'avec en plus la qualité, ça devienne vraiment dégueu. Ah, Iris, et donc de sa femme. Pourquoi ne bouge-t-il pas? Beaucoup plus belle quand elle est pas en décomposition. C'est un souvenir. Ah. Mais il est flou, incomplet. Observe-le attentivement pour le restaurer. Du point and click, génial. Ok, donc un souvenir où visiblement elle peint, mais il manque un truc. Il manque un truc dans la main d'Olgierg, là. Regarde un truc. De la vaisselle. Pour un goûter ou un petit déjeuner. Foutons-lui dans la main. J'ai dû me tromper. Bah ouais, ça me semblait étrange. Par contre, une palette de peinture alors qu'elle est en train de peindre, je ne serais pas étonné qu'il ait ça dans la main. J'ai dû me tromper. Encore ? Que dire ? Il lit un truc ou je ne sais quoi. Ah, putain, j'avais pas vu ça. Ouais, l'esprit de la steppe. Le livre est usé, on l'a beaucoup lu. Et là, il lit un truc, on est d'accord, c'est bon. C'est parfait. C'est ce que je pensais dès le départ. Ok. Donc le souvenir est restauré normalement. Donc, Iris ça... peignait le manoir. C'est censé repartir là. Ah non, faut tout remettre. Ok, donc une théière. Non, pas de théière là-dessus. Bon bah la peinture. C'est parfait. Et la théière, parce que non, la théière servait à rien. En fait, la théière faisait chier. Ok, donc on va enfin comprendre la vie et surtout l'histoire d'amour d'Olgierg.
ou mieux encore, un chat et un chien. Ce serait une surprise, tiens. L'hiver venu, le chien me réchauffera les pieds pendant que le chat jouera avec une pelote de laine devant le feu. Qu'en penses-tu? Mais tu m'écoutes? Pardon, mon amour. J'étais plongé dans mon livre. Il est donc si intéressant? Elle est gothique. Oui, passionnant. Rentrons à l'intérieur. Tu veux bien? Il est beaucoup moins moche avec de la barbe. Il fait un temps magnifique. Les oiseaux chantent. Les abeilles bourdonnent. C'est très agréable. Je ne me sens pas très bien. Reste un peu si tu veux. Moi, je crois que je vais rentrer. Ah, il n'a pas de cicatrice et pas de barbe encore. Juste une magnifique petite moustache. D'accord. Alors, je sais pas en quoi ça lui fait peur, la Iris, ce souvenir, mais... Des abeilles, c'est quoi ce délire? Des abeilles? Qu'est-ce que c'est que ce... Aïe! Aïe, aïe, aïe! Ah! Ok. Très étrange. Qu'est-ce que... Encore un souvenir. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, un cauchemar. L'incarnation d'une peur. Une peur que tu devras affronter tôt ou tard. C'est Silent Hill ici. Ok, donc nous avons visiblement combattu la peur des abeilles. Et vu ce cauchemar. Cauchemar très étrange, un peu flippant, faut le dire. Ah putain, mais encore des abeilles. Et un spectre. Dégagez l'abeille. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est une araignée. Ah, elle est arachnophobe. Par contre, je suis en train de me faire piquer tout ça. Ok. Il y en a une autre encore? Non, ouais, elle est plus loin. On va faire comme si on l'avait pas vue. Ok, donc un autre souvenir. D'accord, donc ils ont tous les deux un truc dans la main, visiblement. Donc je serais pas étonné. Des restes de décoration pour une occasion spéciale. Un bouquet de fleurs. J'ai dû me tromper. Mais non, dans la main d'Olgierg. Il lui offre pas des fleurs? Un verre? Un verre. Ah, il trinque! Identique à celui que tient Olgierg. Ah oui, j'ai pas vu, il a un verre. Bah oui, il trinque carrément. C'est parfait. À ta santé, ma chère épouse. Et à la tienne, mon mari. Ça fait très seul. Dans mon pays, on offre du pain et du sel aux jeunes mariés. Mais nous sommes seuls ici. Bah ouais, un grand manoir vide. Je n'ai besoin de nul autre que toi. Si seulement le temps pouvait s'arrêter. Le temps? Encore une histoire avec le temps. Je vais voir ce que je peux faire. Je vais te faire visiter. J'aimerais tant, mais... Je sais que c'est idiot. Mais la maison est vide depuis si longtemps et je... Et tu as peur des araignées, je sais. Ah, ceci explique cela. Ne t'en fais pas. Je les ai toutes jetées dans le jardin. Ah, je sais ce qui va m'attaquer. Mon faux chevalier, tu penses à tout. Madame va m'attaquer avec des araignées. On en a déjà croisé quelques-unes. Voilà, mais celle-là est gigantesque. Aïe! Wow! Et elle fait mal? Elle fait mal au cul? Ah oui, oui, évidemment. Putain, elle fait débilement mal. On va se mettre un petit. Oh là là, mais c'est quoi? Ah merde, je me suis coincé. Oh la grosse est là. Non, mais cassez-vous. Putain, et la grosse fait ultra mal quoi. Faut que je m'occupe des petites parce que les petites sont trop gênantes quoi. Oh là, ça lance la toile.
Attrapons-nous. Ah merde. Oh, j'ai repoussé la grosse, genre cache-toi. Putain, elle, qu'est-ce qu'elle fait mal cette conne. C'est vrai qu'au niveau armure là, il serait peut-être temps d'avoir mieux quoi. Oh. Putain, mais elle est dégueulasse de chez dégueulasse ce machin. Ok, elle va me tirer dessus. Non, elle va sauter. Okay. Oh là là, mais elle, c'est chiant. Ok. Arrête d'esquiver, espèce de saloperie immonde. Je vais décéder, quoi. Je pense que ça craint le feu, ces machins, mais... Allez. Putain, je me suis bien fait défoncer. Je suis plus au point niveau armure, hein, ça c'est clair. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, il y a l'espèce de monstre à la Silent Hill là qui est en train de me stalker. Putain, on n'y voit rien avec ce système de peinture et de noir et de ce qu'on veut. Encore un rêve du passé. Incomplet lui aussi, je parie. Ah, des gens cette fois. Sûrement la famille. Quel festin. Sûrement pour impressionner les invités. Et légèrement différent du tableau. Quel tableau? Oh! Les deux premières torches sont allumées. Et il y a la tasse au milieu. Enfin, la tasse, le... Ce machin. Castel Ravellon. Non, pas ce machin. Un vin de Toussaint hors de prix. Ah non, mais elle est allumée dans le tableau, mais ce n'est pas tout. Fil d'argent, perles. Non, mais je sais. Hop. Cette poupée a dû coûter une fortune. Ok, donc dans le tableau, ces deux trucs-là sont allumés. Mais ce n'est pas tout. Il manque un truc en bout de table, on dirait. Attendez, je peux récupérer ça? La femme d'Holger aimait les fleurs. Ce peigne devait lui appartenir. On voit rien du tout, bordel. Je vois rien avec cette vision à la con. Hein. Attendez, la cruche. Le truc de raisin là. Qu'est-ce qui manque? Devant un truc dans la salle qui... Ah, le feu de cheminée! Voilà. Ça a l'air mieux. Tout va bien, ma chérie? Tu es toute pâle. Rien de grave, j'espère. Donc ça, c'est sûrement les parents de Iris. Tout va bien, mère. Je t'assure. Et vous? Comment allez-vous? Il n'aime pas Holger. Je suis si heureuse de vous voir. Mais où sont grand-mère et grand-père? C'est un long voyage, tu comprends. Long et boueux. Ils ne veulent toujours pas me voir, c'est ça? C'est qui ça? C'est ça, qu'est-ce que c'est? Nous avons apporté la brosse favorite et la poupée d'Iris. Ah, et aussi ceci, pour vous. Des billets de banque. Nous avons racheté vos dettes, Holger, pour effacer l'opprobre qui pesait sur votre famille. Oula! Sympa les beaux-parents. On n'a rien vu. Quelle charmante attention, beau papa. Holger. Trop de fierté. Vois-tu sa vraie nature à présent? Je t'avais prévenu, ma chérie. Beaucoup trop de fierté. Un voyou et un rustre, entouré de bandits. N'as-tu pas peur de vivre sous le même toit que cette canaille? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh. Ah, la canaille, les bandits. Il est une matraque là. Non, il a une épée. On ne voit rien dans ce niveau. C'est vraiment le problème de ce niveau, c'est qu'on ne voit que dalle. Voilà. Plus de specs. Oh. Encore vous. Bah ouais, encore Bob. Au revoir, Bob.
Cet endroit ne me dit rien qui vaille. Le Luz va pas me noyer sur la gueule cette fois, non? Bon, c'est très joli cette vision, mais au bout d'un moment, ça commence à me cramer un petit peu les rétines. Pas de jumpscare tableau, non, pas cette fois? La chambre à coucher. La fameuse chambre. Tiens, il y a chat qui est là. Le chien doit être dans le coin. Trois moyens de restaurer le souvenir. Que faisait? Une serviette ensanglantée. La serviette est tachée de sang. Le Gierg est là. Je pense que là, elle va là, la serviette, en fait. Il doit être blessé ou je sais pas quoi. Des taches de sang. Ouais, c'est ça. Quelqu'un s'est lavé les mains ici et s'est essuyé sur Quelle cette serviette. Il est tard. Rendors-toi. Tu as encore travaillé toute la nuit. Mais qu'est-ce que tu as sur les mains? Rien, je me suis sali, c'est tout. C'est du sang. Tu es blessé? Non, c'est de l'encre. J'ai écrit des lettres. Je vais bientôt partir pour Oxenfurt. Tu veux m'accompagner? Il avait déjà une vie de bandit quand même avant. Quelle idée merveilleuse. Un petit voyage nous ferait le plus grand bien. Bien. C'est décidé alors. Je suis épuisé. Je vais me coucher. Non, je n'arriverai pas à me rendormir. Viens, je vais terminer ton portrait. Ok, donc là, par le fait que le mec s'est sûrement battu, la scène a l'air pas particulièrement gênante. Ça va merder. Des portes qui claquent. Encore un souvenir confus. De quoi là? Donc là, elle lui fait le portrait. En chemisette de nuit. Oh, encore un coup avec un tableau. Il y a des fruits à côté. On dirait des pommes, du raisin et des prunes ou un truc comme ça. C'est un portrait d'Olgierd, mais quelque chose cloche. Mais non. Ramasse ça. Une coupe, comme dans le tableau. Comme dans le tableau, je l'ai pas vu. Le tableau vivant doit être. Ah mais non, attends, oula. Non, ça ne va pas. Ok, d'accord, donc attendez, je dois tout faire bien, quoi. Ah, les fruits. D'accord, ils donc sont frais, comme si on venait de les rincer. Donc, la corbeille de fruits et le verre. Ok. Le verre est à droite, la corbeille de fruits est à gauche. Le tableau vive. Ouais, on a compris. Ah merde. Bon, attendez, je crois que c'était... pomme. Putain, ça va être chiant ça. Placer la pomme à droite. Voyons ce que ça donne. Ensuite, placer la coupe au milieu. Peut-être. Et placer les raisins à gauche, il me semble. Je crois que c'est bon. Il me semble. Voilà. C'est enfin comme dans le tableau. Ah, c'était deux. Ah, c'était des raisins rouges et des raisins blancs en fait. Souris un peu plus. Mais avec cette histoire de tableau, ça rend bizarre. Ça. Je t'ai demandé de sourire, pas de montrer les dents. Ça ne va pas. Essaie de sourire comme le jour où Père a accepté notre mariage. Tu veux bien? Père qui regrette. J'abandonne. Quelque chose te tracasse. Je le vois bien. Oui, j'ai beaucoup de travail. Encore? Olgierd. Tu m'avais promis qu'il n'y aurait pas de secret entre nous. Tu t'en souviens? Désolé, je n'ai pas envie d'en parler. C'est bizarre. Enfin, c'est bizarre, non. On dirait qu'elle l'aime profondément, malgré tous ses défauts, et lui est complètement détaché, quoi. Olgierd! Oh. D'accord. C'est quoi le prochain cauchemar qui est tutoriel? Toujours Bob, hein. Qu'est-ce que tu veux, Bob? À part, voilà, faire ce genre de truc. Oh, le fameux couloir chiant. Ah non. Ah non, non, non. Oh, encore des... plus de bandits. Ah, c'est l'histoire de bandits qu'elle aimait pas. Je vois pas où ils sont, quoi. C'est terrible. Aïe. On voit rien, en fait, dans ce couloir. L'éclairage est naze, madame. Faut revoir ça. Non,
putain, ça continue de popper quoi. Bon, le feu ça leur fait rien. Hein. Aïe. Oh putain. Je vois pas quand ils m'attaquent. Ça, je l'avais vu. Ouais. Ok, porte qui s'ouvre. Oui, c'est bizarre, on dirait qu'elle l'aime beaucoup et que lui est complètement détaché, alors que tout ce qu'on a vu depuis le début de l'histoire, c'était qu'il était profondément... il doit regretter, en fait. Il doit regretter à mort. Et il a les boules. Non, l'étude de Maître Von Evrek. C'est ici qu'il se plongeait dans les arts occultes. Les arts occultes ? Les arts occultes, genre... Ça commence à se préciser, il y a un patagramme au sol, ça c'est pas normal. Pacte de sang ou des présences étrangères. Attends, il dit un truc Geralt. Ou des présences étrangères. Je commence à croire, mais elle parle vraiment Geralt. Démonologie. De la démonologie, de la géo... Comment ils appellent ça dans... Je crois que c'est de la géotaxie, ils appellent ça dans les livres, faudrait que je vérifie. C'est l'invocation des démons. Et il y a des trucs qui commencent à se préciser, surtout vis-à-vis de Gunther, j'ai l'impression. Quiconque invoque ici, ben un visiteur. Visiteur avec un V majuscule. Ok. Qu'il soit un esprit intangible et éthéré ou qu'il s'incarne dans la chair d'un autre désigné, le visiteur... Donc visiteur, c'est les démons. Hein, dans The Witcher, mais visiteur avec une autre majuscule, ça peut signifier autre chose, mais pas dans l'univers de The Witcher, dans l'univers de la... dans la mythologie. On y reviendra. Dans la thèse qu'il n'obtienne la liberté. Dès lors, il sèmera le chaos. Aussi qu'incompte... C'est marrant parce que je maintiens qu'il y a des livres avec la saison des orages, le 8e livre de The Witcher. Parce que ça parle de géotaxie et de démons dans la saison des orages. Mais bon, on commence à comprendre un petit peu mieux ce qu'est Gunther, visiblement. Ou ce que semble être Gunther. Aussi incompte-t-il de n'invoquer un visiteur que dans un cercle de protection, qui l'entravera mieux que toutes les chaînes du monde. Le cercle doit être fermé et éternel sans la moindre rupture. Son trait doit être tracé à la craie d'une main ferme. S'il lui suffit d'un pas de travers ou d'une maladresse ou à la ruse du visiteur pour effacer la ligne, le cercle doit en sus être protégé par une barrière de bougies en cire d'abeille allumée. Ah, d'où les abeilles. Un cercle assez protégé constitue une prison sans échappatoire pour le visiteur. Quelque chose me dit que visiteur est l'autre nom de notre ami Gunther. Oups, je voulais pas faire ça. Et des bougies en cire d'abeille, évidemment, pour les mettre dans le cercle. Un pentagramme, pour lier les créatures invoquées. Il est presque effacé, il me faudrait de la craie. Après ça, je pourrais m'occuper des bougies. Ta craie. Des bougies en cire d'abeille. Entre les mondes. Les portes du mystère. Voyage entre les mondes. Des livres d'occultisme. Ok, donc Holger se prêta à l'occultisme, donc c'est sûrement lui qui a fait apparaître Gunther et qui a foutu une merde pas possible. Mais du coup, Gunther sera un démon, ou un truc occulte, ou un truc très étrange. Alors je suis pas en train de vous dire ce que je pense être Gunther, ça je suis en train de vous dire ce que le jeu nous dit. De tous les êtres qui peuplent les sœurs expériences les plus éloignées de la nature humaine sont les esprits des élémentaires, ils sont certes doués voués intelligents, mais pas comme nôtres. Leur motivation et leur but nous demeurent sont parmi les élémentaires les plus puissants, ou génies, sont aussi les plus réfractaires à toute communion. Seuls les plus grands maîtres de la magie sont parvenus après de longues années d'études, les machins. On dit que le sorcier Samuel Ford de Nejadis a un Dao, donc c'est génie de l'eau. Non, de la terre? Ouais, de déplacer une montagne, c'est peut-être le génie de la terre. Ils en parlent dans les livres, ça aussi. Donc on a des livres à la fois sur des génies et à la fois sur les démons. Et étrangement, qui dit démon dit pacte, et qui dit génie dit vœu. Ils ont donc affaire à un truc assez particulier. Une bouteille de vin. Un secret. Du sang. Pour un rituel magique, sans doute. Du sang. Le manoir était triste à pleurer en hiver. Le manoir en hiver. On va pouvoir refaire le cercle. De la magie noire. Holger, tu nous as un petit peu caché. Maintenant, les bougies. La petite magie noire, placer les bougies dans le pentagramme. Ah non, alors les bougies, il faut qu'elles soient dans le cercle. Sur le cercle entourant le pentagramme. Essayons ça. Reviens! Il faut qu'on parle! C'est ça. Laisse-moi tranquille. Je veux rester seul. Non, pas cette fois. Viens ici tout de suite! Waouh! Tu fermes le carnet. Laisse-moi. Je veux juste travailler en paix. Travailler aux sciences occultes. T'as un démon dans ta maison! Et je pense savoir qui que c'est!
Il va faire une connerie. Il va faire une très très grave connerie. C'est tellement lui qui est à l'origine de tout ça au final. Tout va bien. Doyan Ufus. Sobakabisa Yada. Sobakabisa Verasas. Bon sang, que dois-je faire? J'ai tout essayé. Je veux annuler notre pacte. Je vous invoque. Répondez. Annuler le pacte? Ah, donc il en avait déjà un. Putain! Au feu! Par ici, vite! Il faut éteindre les flammes! Et il a mis le feu, le con. Merde! Je ne m'attendais pas à ça. Moi non plus! Hyper. La musique devient trop cool! Et merde! En plein milieu d'une tempête de neige. Il faut que je trouve un abri. Ça me rappelle le voyage entre les mondes. C'était pas super fun. Merde! Vite, à l'intérieur! Là! Bob! Encore toi, salaud! Ok. Ouh! Gérald, t'arrêtes de geler. Ok. La cave. Et son père. Il est chiant. Bon, alors, est-ce que c'est avant ou après l'incendie, maintenant? Parce que l'incendie, pour moi, ce serait la dernière étape. Une pipe. C'est à cette époque qu'il a commencé à fumer. Tasse. Une chope de bière qui contenait de la vodka. Visiblement, il avait déjà un pacte. Or, je soupçonne que l'histoire, le démon en question, ça soit Gunther, maintenant, hein, très clairement. Nous verrons bien. Un contrat de mariage. Un contrat de mariage entre Iris et Holgerd. Lui boit. Voilà donc comment il passait les longues soirées d'hiver. Un couteau, couvert et de sang. Et lui est en train de tendre le contrat de mariage. C'est sans doute son père qui tenait le contrat. Ça me semble logique. En outre, vous accorderez à Iris le respect qui lui est dû. Bah alors, tout à l'heure, c'était qui, c'est lui son père. De ses conseils et de ses requêtes. Et vous? Oh là, bon, écoutez, venez-en au fait, père. Ma patience a des limites. Ça part en couille, cette histoire de mariage. Avec plaisir. À la demande d'Iris, je déclare ce mariage nul et non avenu. Ouh, c'est Iris qui a divorcé. Elle a pas dû apprécier le coup du démon. Hé, hey, il a des blessures, maintenant. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Et j'ai tenu parole. L'homme que j'ai épousé est mort. On ne revient pas sur sa parole aussi facilement. Crois-moi. Oula. Tu ne me quitteras jamais. Jamais. Ça suffit. Vous n'avez pas d'ordre à nous donner. Vous. Père. Il l'a buté, là. Père. Non. Wow. Ah oui, quel con qui met des clous dans les murs. Jetez cette carcasse en pâture aux animaux. Putain, il était devenu un sale enfoiré, quoi. Qu'est-ce que c'est que cette affaire encore? Voilà. On compte me faire languir longtemps. Des espèces de ghouls. On voit rien, caméra, allez. Hop là. Ouh, c'est pas loin ça. Les ghouls normalement elles craignent le feu, mais maintenant c'est des spectres. Hop, ça c'est fait. Aïe. Hop, et la dernière. Hop là. Elle avait peur. C'est à ce moment que Von Evrek a cessé d'être humain. Ouais, ça se voit il très clairement. Il aimait encore sa femme. Non. Il avait le souvenir de l'avoir aimée, c'est tout. Allons à l'étage. Ok. Donc quoi, à partir du moment où il a invoqué démon inconnu, mais on pense savoir, je pense savoir qui c'est. Il a commencé à faire n'importe quoi. Quand on a accès à tous les vœux qu'on veut. D'accord. C'est une invitation à mourir, ça. Bob, encore.
Ouais, ça commence à être moins drôle, hein, à force. Hein. Je tiens à le dire. Oula, il y a le gardien. Je me souviens. Nous avons passé beaucoup de temps ici. Et un ours géant. En silence. Nous allons prendre nos places, comme à l'époque. Ok, donc là, il a commencé. À toi de faire le reste. Un plateau. Tiens. Il a commencé à faire apparaître plein de trucs, en fait, pour lui faire plaisir. Un bol en argile. Enfin, du moins, c'est la vision que j'en ai. Il lui file un gardien, et il lui file des animaux pour s'amuser. Lui, il doit porter le plateau de fromage. C'est parfait. Tellement ridicule. Et bien sûr, quand il invoque des gardiens, il invoque genre le Nazgûl de l'horreur. Quelque chose ne va pas. Des poils de fourrure. Il manque un truc là. Un seul couvert sur la table. Même lui ne mange plus. Il a plus besoin de manger. Il est immortel. Un petit bol et un grand bol. Ah, mais le petit bol pour le chat. Et voilà. Et le grand bol pour le chien. C'était à toi, je crois. Ce serait tout, ouais. Vous mangiez vraiment là-dedans ? Bien sûr que non. Je te l'ai déjà dit, nous ne sommes pas des animaux. Le gardien n'en avait cure. Il suivait les ordres. Mais vous venez d'où ? Vous êtes un truc de la dimension d'Olgir, enfin. Je t'avais demandé d'arrêter. Ces deux-là ne te suffisaient donc pas. Mais elle est toujours là ? Le chien et le chat te tiennent compagnie. Je croyais qu'ils avaient divorcé. Celui-ci te protégera et entretiendra la maison, quoi qu'il arrive. Autrefois, je rêvais de savoir ce que tu avais dans la tête. J'espérais pouvoir t'aider. Aujourd'hui, je me fiche bien de savoir ce que tu ressens. Je ne ressens rien. Je ne te déteste même plus. Va-t'en, Holgerd. Je ne veux plus te voir. C'est l'histoire d'amour la plus étrange. Holger Van Evreck n'avait pas compris que nous ne pourrions jamais le remplacer. L'ombre de son spectre plane désormais sur le moindre souvenir de Damiris. L'ombre de son spectre. Nous arrivons au bout du chemin. Qu'est-ce qui nous y attend ? Il y a des succès qui pop maintenant, d'accord. D'Iris Van Evreck. Et en anglais. La plus grande peur d'Iris Van Evreck, c'est Bob. Il nous stalke depuis le début. Ah, attendez, je suis en train de penser à un truc. Parce que je sais un petit peu ce qui arrive et on va pas rigoler. Ok, d'accord, c'est bon. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ma tendre épouse, une lettre d'Olger d'Aeris. J'aimerais manier les mots aussi bien que l'épée. Surtout c'est en ce moment, alors qu'un froid glacial enserre mon cœur. Je vois bien tes regards, je vois ton désespoir. Je ne peux pas t'aider, mais je peux au moins cesser de te faire du mal. Je t'adresse cette lettre et cette rose en guise d'adieu. N'oublie pas les bons moments. Oh là là. Holgerd. C'est lui. Holgerd, c'est Bob. Ok, ça pue. Ouais. Son pire cauchemar. Ok. Round 2, j'imagine.